Salut les gamers, salut les investisseurs, c'est Dojo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bombe Crypto. Aujourd'hui, on va parler stratégie et rentabilité sur Bombe Crypto, les gars. C'est un petit peu la suite de ma précédente vidéo sur Bombe Crypto, toujours rentable en mars. Là, je voulais faire une vidéo dédiée pour pouvoir pousser la réflexion un petit peu plus loin et pour pouvoir présenter aussi deux nouveautés sur le jeu. Enfin, vous allez voir une nouveauté par le jeu et une nouveauté que moi, je vais vous proposer. J'ai beaucoup réfléchi à Bombe Crypto, au futur et à la stratégie qui pourrait être intéressant de mettre en place autour du jeu. Vous le savez, le jeu a beaucoup évolué, c'est plus la vache à lait qui pouvait rapporter des centaines de dollars par jour ou par mois comme ça pouvait être le cas avant, mais je pense que ça peut être un très bon revenu complémentaire et notamment un revenu passif, c'est-à-dire un revenu qui ne vous demande que peu ou pas d'efforts, et on va voir ça ensemble après ma toute nouvelle intro. Voilà les gars, après cette courte introduction, j'espère qu'elle vous aura donné un petit peu l'eau à la bouche. Je pense actuellement que effectivement, Bombe Crypto, ce n'est plus le jeu qu'on a connu qui pouvait rapporter des centaines de dollars, mais pour autant, ce n'est pas un jeu à négliger. Selon moi, c'est encore un jeu qui a encore de l'avenir, tout simplement parce que c'est un jeu qui peut vous procurer un revenu passif ou en tout cas semi-passif, c'est-à-dire qu'il ne vous demande pas beaucoup d'efforts, hein, un clic de temps en temps et pouvoir vous rapporter de l'oseille, un complément de revenu de votre salaire ou de ce que vous avez à côté sur les play to earn. Et pour ça, du coup, je vais vous présenter deux méthodes. Une qui est sortie très récemment par le jeu, qui est tout simplement du coup la sortie du jeu mobile. Je vous affiche à l'écran du coup le tuto officiel qui a été sorti par le Bombe Crypto, hein, tout simplement sur leur chaîne YouTube. Je vous mettrai également le lien en description. C'est très simple. En fait, ça fonctionne un petit peu comme le scholarship. Il faut tout simplement que vous créez un compte du coup avec un identifiant et un mot de passe. Donc un truc pas trop compliqué, hein. Je crois que c'est limité à 6 caractères, pas de caractères spéciaux. Enfin, vous avez les détails si vous faites le petit point d'interrogation. Hein, de toute façon, à côté de l'espèce du bouton rouge. Et du coup, après, vous pourrez vous connecter tout simplement sur votre téléphone, sur le site de boomcrypto.io, télécharger, cliquez sur le petit Android, télécharger la version APK de Bombe Crypto et vous pourrez jouer tout simplement au jeu depuis votre téléphone. Donc c'est une super bonne nouvelle, je trouve, ça vous permet d'y jouer partout, si vous êtes en cours, au taf, sur votre post-déj, quand vous êtes au chiottes. Bref, si vous êtes comme moi et que vous avez un ordi fixe, c'est une super bonne nouvelle. Peut-être un peu moins pour le cours du Bitcoin parce que du coup ça sera plus facile d'en récupérer, mais en tout cas ça vous demande du coup un minimum d'effort pour pouvoir récupérer votre farm et pour pouvoir farmer tout au long de la journée. Voilà pour ce qui est de la version mobile. Donc c'est une très bonne mise à jour en tout cas qui donnera Bombe Crypto, enfin qui donnera un petit peu plus facilement accès à Bombe Crypto vu que vous n'aurez pas forcément besoin d'un PC. Et pour ceux qui continuent à jouer sur PC ou qui ont un iOS, j'ai aussi la solution pour vous. En tout cas, j'ai une autre solution pour vous et ce n'est pas moi qui vais vous la présenter. Enfin, en tout cas, pas seulement. Du coup, là, je suis avec Brazak qui va nous parler un petit peu de la solution qu'il a mise en place pour Bombe Crypto pour automatiser en fait ses revenus sur le jeu. Donc, Brazak, je te laisse rapidement te présenter peut-être. Oui, merci. Je m'appelle Brazak, j'ai 24 ans. Actuellement, je suis en études, je suis en formation pour être développeur web. Et ce que j'ai fait pour que Bombe Crypto soit vraiment un revenu et un jeu passif, j'ai créé mon propre autoclic. Et maintenant, je le vends. Ok. Alors, est-ce que tu peux peut-être expliquer, parce que moi je suis un peu un boomer, hein, tu sais, est-ce que tu peux peut-être expliquer pour les gens comme moi ce que c'est un autoclic du coup, enfin, ce que tu as créé? En fait, un autoclic, c'est simplement un logiciel qui va reproduire des clics que l'on lui a programmé de faire, et également les touches du clavier. Donc, pour Bombe Crypto, en fait, on va reproduire par exemple une journée sur Bombe Crypto, qu'est-ce qu'on ferait, et on va lui dire de le faire pendant 100, 200, 300 ans et en boucle. Ok, donc en gros c'est vraiment automatisé, c'est retirer en fait le truc, le côté chiant de devoir se lever à 3h du mat pour relancer ses bombers pour casser du coffre bleu, quoi, c'est ça? C'est exactement ça. Avec ce truc, c'est simple, tu peux simplement venir une fois par semaine pour claim, c'est tout. Ok, c'est plutôt pas mal, mais du coup, moi, la question que je me pose, c'est, parce que là, on parle quand même de développement web, forcément, comment ça se passe, du coup, pour, enfin, c'est pas une installation, d'un nouveau logiciel, c'est un script, du coup, est-ce que tu peux expliquer vite fait s'il y a besoin d'avoir des logiciels et comment ça se passe au niveau sécurité, surtout? Ok, alors,
Déjà, au niveau sécurité, je tiens à dire que Bombe Crypto autorise les autoclics. Donc, il n'y a pas à se poser la question si on va se faire ban ou pas. Et pour la sécurité des comptes MetaMask ou Binance, ce qui est bien, c'est que l'autoclic, il fait exactement ce qu'on lui dit de faire. Donc, si on lui dit de faire un clic en haut, il fera uniquement ce clic en haut. Donc, vu que je ne vais jamais sur le MetaMask ou autre chose, bah, là-dessus, il n'y a pas de risque de se faire scam ou de se faire avoir par rapport à ça. Un autre truc également, c'est que Bombe Crypto, ils ont lancé maintenant le mode scolaire. Donc, même nos propres comptes, on peut s'enregistrer dessus en utilisant le pseudo et le mot de passe. Donc, il n'y a aucun moyen de se faire avoir par rapport à ça. Ok. Et en fait, les logiciels du coup qu'il faut avoir pour cet autoclic, en premier, c'est TeamViewer. C'est ce qui va me permettre d'aller sur l'ordinateur de la personne et de pouvoir faire avec lui cet autoclic. Et la deuxième chose, c'est Actionaz. C'est le logiciel qui va retenir et qui va en fait tout simplement faire fonctionner cet autoclic. Ok, toi en fait tu reprends un petit peu comme si tu étais un scolaire, tu te connectes directement par le pseudo et pas par le MetaMask, c'est ça? Exactement. Okay. Je peux aussi le faire par le MetaMask, mais j'ai trouvé que cette méthode-là est plus honnête. Bah ouais, c'est clair qu'au niveau sécurité en tout cas, il y a moins de questions à se poser, surtout que bah t'es quand même, t'es français, donc il y a un petit peu moins de risques, on va dire, de scam et de toute façon on peut te contacter assez facilement. Et du coup ta solution, la solution que tu proposes, l'autoclic que tu proposes, c'est une solution qui s'adresse à qui? Enfin c'est pour qui? Si moi ça m'intéresse, à qui ça s'adresse en fait? À tous ceux qui jouent à des play to earn. En fait, cette solution, ce qui est bien, c'est que bon bah, c'est plus rentable si on a plusieurs comptes, c'est vrai. Mais pour une personne qui a un compte ou plusieurs, bah ça va être rentable puisque c'est terminé de devoir se dire mince, je dois aller manger autre part. Bon bah, il faut que je me dépêche parce que dans une heure, il faut que je relance mes héros au travail ou de devoir se mettre son alarme à 2h du matin pour pouvoir y aller. En fait, tout simplement, bah on n'a plus rien à faire. Et ça me fait penser à quelqu'un qui, c'était l'un des premiers clients qu'on avait eu. Et quand on lui avait fait son autoclic, mais il était fou de joie. Et, il nous disait, mais il devenait fou, puisque bah, il mettait son alarme toutes les heures et demie, tout le temps, 24 heures sur 24, même son sommeil, il le sacrifiait pour pouvoir lancer ses héros. Donc non, franchement, pour tout le monde, ça peut être très intéressant. Ouais, c'est la dure vie des joueurs de Play to Earn, malheureusement. Du coup, on va peut-être parler du sujet, peut-être aborder le sujet qui fâche, hein, Brazak. Combien ça coûte, ce que tu proposes? Alors, je peux pas vraiment donner un prix fixe, puisque ça va dépendre de beaucoup de choses. Au niveau du prix, en fait, on paye une somme pour un compte, donc pour l'autoclic. Mmh. Et pour chaque compte supplémentaire, c'est très dégressif et c'est vraiment pas cher. En fait, l'idée qu'on s'était dit avec les personnes avec qui j'ai lancé ce Discord et la vente de l'autoclic, c'est que au lieu de faire des autoclics comme on peut le voir sur des sites à 1500 euros ou à 1000 euros, bah, que ce soit accessible à tout le monde et on est à, on va dire à une trentaine d'euros. Donc c'est vraiment accessible à tous. Donc le mieux, de toute façon, si moi ça m'intéresse demain de pouvoir l'installer, l'autoclic, c'est quoi? C'est de te contacter directement, tu viens de dire que tu avais un Discord, c'est de te contacter directement sur ton Discord, comment ça se passe dessus, tu as des tarifs C'est exactement ça. En fait, dessus, dès qu'on rentre dedans, il y a toute la grille des tarifs, on peut créer un ticket, et du coup, bah, je vais avoir une notification, ou ceux qui sont avec moi vont avoir une notification, et tout de suite, on va vous demander, t'es pour quel jeu, qu'est-ce que vous voulez, combien de comptes, on va vous dire, ça vous coûtera... Le prix que ça vous coûtera. Et après, on est parti, et en moins de 2 heures, normalement, parce que parfois, ceux qui ont beaucoup de comptes, on a déjà fait des 32 comptes, ça peut prendre plus de temps, mais en règle générale, en moins de... Ouais, en 1 heure, c'est fait. Ouais, ok. Forcément, paramétrer 10 comptes, j'imagine que c'est un petit peu plus long qu'en paramétrer un. Et du coup, est-ce que t'as peut-être une idée comme ça de... forcément, en tant que... Si t'investis dans les Play to Earn, ce qui t'intéresse forcément, c'est le retour sur investissement. Est-ce que t'as peut-être une idée, justement, du ROI, que ça prendrait pour prendre ta solution? Ça va dépendre des héros que l'on va avoir. Mais par rapport à l'autoclic, je pourrais pas vraiment le dire, mais c'est vraiment pas cher. Je vois qu'il y en a certains qui ont pris l'autoclic et en
trois jours, ils étaient remboursés de leur autoclic. Ok, et bah écoute, c'est... Enfin, je trouve que c'est un super projet, en tout cas, je suis content que ça soit fait par des Français. Du coup, je pense que le mieux, si ça vous intéresse, les gars, c'est d'aller directement sur le Discord de Brazac, le lien sera dans la description. Et je pense que... Enfin, ils peuvent te contacter directement aussi, s'ils ont des questions, je pense. Oui, bien sûr. Et soit ils peuvent me contacter directement parce que bah, je suis noté en haut du Discord, ou sinon, bah, ils peuvent simplement créer un ticket et poser leurs questions, il n'y a pas de souci. C'est pas on crée un ticket, on est obligé d'acheter. Ok, donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais vous présenter ça, parce que forcément, bah, c'est intéressant dans une stratégie de transformer son play to earn en investissement passif, et aussi parce que vous avez quand même une certaine sécurité, plutôt que d'acheter un autoclic sur Internet, là, vous avez quand même bah, une personne qui vous répond en temps réel, un Français en plus, donc vous avez pas galéré avec Google Translate avec lui. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Brazac, je sais pas si t'as un mot pour conclure cette vidéo. Ah bah pour un dernier mot de la fin, je pourrais simplement dire que nous proposons un service après-vente, donc je pense que ça pourrait en intéresser certains, mais en vrai, bah, farmez bien et faites-vous plein d'argent. Ok, et bah écoute, sur ces très belles paroles du coup, je te remercie en tout cas pour avoir présenté ton autoclic. Merci à toi. C'était également important pour moi les gars de revenir sur le calcul du ROI sur Bomb Crypto, sur ce que vous pouvez prétendre pouvoir gagner sur le jeu. Là je vous ai vraiment fait le calcul détaillé. Je le redis les gars, enfin je ne l'ai pas dit dans cette vidéo mais vous le savez, je le dis souvent sur ma chaîne, ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches et prenez vos propres décisions. Moi je vous partage vraiment bah, ma vision et en tout cas une des stratégies à laquelle j'ai réfléchi. Je vous avoue que je suis encore en hésitation sur bah, ce que je vais l'appliquer ou pas cette stratégie. Vous voyez, j'ai fait vraiment un calcul détaillé avec tous les chiffres pour que vous ayez une vision global. Actuellement, le Bitcoin, il est du coup coté à 0,38 centimes de dollar. Donc, pour avoir un compte full Hero, si vous voulez vous créer un nouveau compte, ça vous coûtera tout simplement 57$. Donc, on peut arrondir à 60$ tout compris avec les frais de transaction, mais c'est vraiment pas grand chose pour ceux qui ont connu Bomb Crypto à ses heures de gloire. Avec ça, vous pouvez farmer, je pense, un minimum de 1,5 Bitcoin par jour. Je pense que c'est vraiment le minimum. Ça vous donne un total de 45 Bitcoin par mois, du coup. Vous avez la possibilité, du coup, avec ces 45 Bitcoin et le cours actuel du token à 0,38, de gagner environ 17$ par mois, ce qui vous fait un ROI de 30% et un retour sur investissement par rapport à votre investissement initial de 60$. D'environ 3 mois et demi. Et là, les gars, il y a deux façons de réfléchir, tout simplement. Vous pouvez voir le verre Bomb Crypto à moitié vide ou à moitié plein. Vous pouvez vous dire, ok, 17$ par mois, c'est vraiment pas grand-chose. Mais il y a aussi une deuxième façon de réfléchir, c'est que 17$ par mois, un ROI de 30%, dans le monde actuel, c'est pour ça qu'il faut toujours relativiser selon moi, un retour sur investissement de 30% avec un S qui est quand même assez limité, c'est pas trouvable partout non plus. Hein. C'est-à-dire que même si vous faites du stacking de stablecoins, vous pouvez prétendre à des ROI en général entre 6 et 10% si vous ne faites pas en tout cas de trading. Là, on parle d'un ROI de 30%, c'est quand même super intéressant. Et pour moi, là où ça peut être encore plus intéressant, du coup, c'est en cas de multi-compte. Parce que là, forcément, du coup, les sommes que vous avez, vous pouvez les multiplier par 10. Par exemple, si vous avez, si vous voulez vous créer 10 comptes, ça vous coûterait donc environ 570$. Mais avec la possibilité de faire 170$ par mois, les gars. Et là, on commence à parler de chiffres, vraiment. On commence à pouvoir tabler sur du 150-170$, sachant que là, mon calcul de 1,5 Bitcoin par jour, je pense que c'est même assez pessimiste parce que moi, je fais environ 1 Bitcoin par jour en ayant 14 héros communs et un super rare et en étant du coup nerfé parce que j'ai déjà atteint mon ROI en termes de Bitcoin. C'est également pour ça que je voulais vous parler de l'autoclic, les gars. C'est parce que pour moi, c'est une stratégie qui peut être complémentaire pour pouvoir vraiment générer des revenus passifs. Bomb Crypto, est-ce que c'est un jeu qui est mort? Selon moi, encore une fois, la réponse est non. Je pense que c'est juste un jeu qui a évolué et qu'il faut savoir évoluer en conséquence. Et pour moi, une nouvelle évolution du jeu, du coup, c'est la version mobile. C'est en fait de le transformer en revenu passif ou semi-passif, notamment avec la version mobile et l'autoclic. C'est-à-dire que vous créez 10 comptes.
Ça, c'est chiant, ça vous demande un gros investissement initial. Après, vous avez la possibilité d'avoir un autoclic pour que ça farme en continu en fait à votre place, que vous ne loupiez pas un seul centime de Bitcoin et que en plus vous n'ayez pas à vous lever à 3h du mat pour les relancer. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une stratégie qui valait la peine d'être réfléchie, qui valait la peine d'être partagée. N'hésitez pas les gars à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et également qu'elle vous aura apporté de la valeur et peut-être une nouvelle vision sur le jeu. N'hésitez pas du coup à rejoindre mon Discord ou le Discord de Brazac si vous êtes intéressé par l'autoclic. J'ai également oublié de le préciser les gars, mais je pense que c'est important de le préciser pour être tout à fait transparent avec vous. Je touche une commission sur chaque achat d'autoclic qui a été fait si vous venez de ma part. Mais pour autant, je suis convaincu par le produit et aussi par le fait que justement ça soit développé par des Français et par le fait que ça peut être très intéressant dans une stratégie de revenus passifs. Vous le savez, je pense, si vous suivez ma chaîne, je suis pas du genre à faire beaucoup d'affiliations et de sponsors. Sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.